bien joué et il va provoquer la faute. Pour beaucoup plus jeune de Gravelines, coup d'envoi et réponse de Dylan Herreux. Les déclarations un peu provocatrices en provenance de Gravelines, surprenant deuxième du championnat, n'étaient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Hier soir à Villeurbanne, c'est même toute l'équipe de l'ASVEL qui tenait à faire une mise au point. Mais à trop vouloir régler ses comptes, péché d'orgueil, l'ASVEL oublie ses principes de jeu. L'équipe de Gravelines en profite pour revenir au score et prouver qu'elle est bien la bonne surprise de ce début de championnat. En une mi-temps, l'ASVEL encaisse autant de points que d'habitude sur l'ensemble des deux. En contrepartie, elle en marque beaucoup plus aussi et elle possède 3 points d'avance à la pause, mais sans avoir pratiqué son basket habituel. Une nouvelle mise au point s'impose donc en seconde mi-temps. L'ASVEL retrouve sa sérénité, elle redevient sûre d'elle-même et dominatrice. Pour Gravelines qui croyait trop, le match est terminé. Ouais, je crois que ça va nous remettre les pieds un peu sur terre parce que c'est vrai qu'on a fait la plupart du match correctement. Mais à un certain moment, on a tous voulu prendre le jeu à notre compte, en particulier Jerry qui est un très fort joueur. Mais là, ce soir, il a voulu trop prouver par rapport à la run. Mais ça s'est mal passé pour lui, ça s'est mal passé pour nous. Bah, ça, finalement, je crois que ça risque de nous faire plus de bien que de mal. Depuis le début de la saison, l'ASVEL gagne régulièrement d'une vingtaine de points. Finalement, contre Gravelines, c'est le même tarif.